Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo concernant ma collection de Blu-ray. Alors bon, en vrai, c'est la deuxième vidéo concernant les Blu-ray parce que j'avais fait une vidéo sur les DVD. Voilà, je vous mets un lien dans la description si jamais vous l'avez pas vu. Et en fait, cette vidéo sur mes Blu-ray, je l'avais faite en 2020. Je crois que c'était au début du confinement, quelque chose comme ça. Et depuis, bah, j'ai acheté exactement 30 Blu-ray, donc dedans je compte aussi des coffrets, hein, que je compte comme un, et j'ai acheté 30 Blu-ray depuis, donc je me suis dit, bah, c'est une bonne occasion pour faire la suite. On va commencer par les steelbooks, et le premier c'est Mourir peut attendre, No Time to Die, le dernier James Bond, voilà, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est mon deuxième James Bond préféré, de toute façon j'en ai parlé dans mon top 2021, donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse, mais ouais, je le trouve très très cool ce film. La Snyder Cut, on est obligé, hein, les gars, même si je trouve que le steelbook n'est pas très 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 joli en soi, voilà, l'arrière, hein, je vous le montre, c'est l'une des boîtes mères. Je trouve que le steelbook est pas très joli, mais franchement, voilà, j'étais obligé de l'acheter, hein, c'est mon film préféré de 2021. Scream, mon film d'horreur préféré, voilà, quand ils ont annoncé qu'ils faisaient un remaster 4K du film et qu'ils allaient sortir en steelbook, moi je me suis rué dessus, hein, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'amour pour Scream et pour la saga en général d'ailleurs. Voilà, donc j'étais obligé de me le prendre, je le trouve très très beau, on voit bien les petits détails avec le couteau, etc. Et derrière la fameuse phrase « What's your favorite scary movie ?» Ce steelbook, je le trouve magnifique, donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce steelbook. Et Scream, bien sûr. John Wick 3, voilà, parce que c'est mon préféré des 3, parce que c'est un film de ouf, parce que j'ai le 2 en steelbook aussi. Il me manque le 1, du coup, maintenant que j'ai le 2, le 3 en steelbook, je vais chercher le 1 à l'occasion. Et ouais, John Wick 3, je suis vraiment, vraiment fan de ce film. Voilà, à l'arrière du steelbook, on voit le numéro 3 en nombre avec John Wick qui fait face à ses ennemis. Le bleu et le violet de ce film ressortent bien sur le steelbook, donc c'est vraiment agréable. Ensuite, nous avons Dune de Denis Villeneuve, voilà, qui était aussi dans mon top 2021. En fait, les 3 premiers films de mon top, je les ai achetés en steelbook, quoi, voilà. Cadeau d'anniversaire de la part de Monsieur More Film Time, merci encore. Donc voilà, très très beau steelbook, hein, pour moi. Il y a une édition aussi en orange, je vous la mets quelque part par là, que je trouve moins jolie que celle-ci. Hein, voilà, là, avec le bleu du ciel, avec le jaune du sable, c'est vraiment magnifique. Et à l'arrière, voilà, une petite fumée. On se doute que le vert des sables n'est pas loin. Moi, j'aime beaucoup. Et ben, on parlait de No Time to Die tout à l'heure. Forcément, il faut qu'on parle de Casino Royale. Alors, cette édition de steelbook est récente. Et à vrai dire, je la trouve pas fofolle. Hein. Ils ont fait les 4 premiers James Bond de Daniel Craig dans cette édition. J'en suis pas ultra, ultra fan. Surtout que à l'arrière, il y a que dalle, Cimer. Mais voilà, je voulais Casino Royale en steelbook. Les autres éditions coûtaient très cher. Celle-ci était à 20 euros, je crois. Donc, bah voilà, je me le suis pris. Et mon dernier steelbook, qui n'est pas un film, mais qui est une série, Watchmen. Watchmen par Damon Lindelof, série HBO sortie en 2019, que j'ai revu récemment, que je trouve vraiment dingue. Pas aussi dingue que ça à la revoyure, c'est vrai, mais vraiment une mini-série de qualité, avec l'arrière TikTok. Enfin voilà, on connaît tous Watchmen, hein, donc on sait à quoi ça fait référence. Mais oui, vraiment, ce steelbook, j'adore, et cette série, je suis un immense fan. Passons aux coffrets. Alors les coffrets, j'en ai pas beaucoup et à vrai dire ils sont pas dingos, hein. Alors le premier c'est Matrix, voilà, le coffret Matrix. Je les avais pas en Blu-ray, il me les fallait un jour ou l'autre. Voilà, j'ai pris ce coffret là qui vraiment n'est pas très joli, il est pas foufou. À l'avant et à l'arrière c'est exactement la même chose, hein. Oui c'est ça, oui, c'est la même chose. Donc voilà, coffret qui n'est pas dingo, l'intérieur, bah voilà, c'est pas un truc de fou, hein. C'est vraiment un produit des années 2010, ça. Donc voilà, il fallait les Matrix en HD, je voulais pas non plus les prendre en steelbook parce que je suis pas si fan de Matrix que ça, donc ça me convient. Ensuite nous avons les 3 Bad Boys, que j'aime énormément, et le 3 aussi, le 3 plus je le vois plus je l'aime. Donc voilà, coffret des 3 Bad Boys, hein, c'est pas folichon, petit résumé derrière. Donc voilà, il me les fallait, ils ont même pas caché cette partie. J'avoue, ça c'est pas méga joli, mais bon, j'aime bien ces films, donc il me les fallait en Blu-ray, je les ai vus, ils étaient à pas cher, c'était les promos, voilà. Et le dernier coffret, ouais déjà en fait j'ai pas beaucoup de coffrets, j'en ai que 3, Spider-Man de Sam Raimi, voilà, je les ai aussi en DVD, hein, c'est comme les Matrix, mais au bout d'un moment il me les fallait en Blu-ray, donc je me suis pris cette édition, elle était vraiment pas chère, voilà, derrière, y a rien de folichon, hein, c'est juste...
c'est juste un petit coffret avec 3 Blu-ray. Voilà, au moins, je les ai en Blu-ray. Je vais pouvoir arrêter de saigner mes DVD qui me font mal aux yeux depuis 2015, quoi. Et on va continuer avec les Blu-ray à marée. Alors, les Blu-ray à marée, c'est les Blu-ray classiques en plastique bleu que tout le monde connaît. Donc, voilà, dernier train pour Busan. Je le voulais, il me le fallait absolument. J'adore ce film. Excellent film de zombies qui se passe dans un train, dans un TGV d'ailleurs. Enfin, c'est pas à proprement parler un TGV, mais techniquement, c'est construit par la France. Et voilà, c'est un TGV qui a été vendu à l'étranger. Et c'est un putain de bon film. Un putain de bon film qui fait vraiment peur. Il y a vraiment du suspense, il y a vraiment de l'émotion, c'est très très fort, regardez-le. Pacific Rim, la preuve que Guillermo del Toro est aussi un gros nerd fan de gros robots qui défonce des gros monstres, hein, faut pas l'oublier parce que il a une patte film d'auteur, etc. Mais c'est aussi un mec qui est capable de faire du blockbuster, qui en a déjà fait, et qui le fait à merveille. Pacific Rim, j'adore, mais le 2 n'existe pas, bien sûr. Comme pour Dernier Train pour Busan, à vrai dire. Parasite, excellent film aussi, hein, vraiment, vraiment dingo, hein, tout le monde l'a vu, Parasite. Je l'aime beaucoup, plus je le vois, plus je le kiffe. Voilà, je passe un excellent moment devant Parasite. Premier contact que j'ai en 4K, que j'ai gagné grâce à la chaîne de Nico Ciné. J'ai participé à un petit jeu proposé par Nightmare, et voilà, j'ai réussi à gagner ce Blu-ray, premier contact en 4K. Merci Nightmare, merci encore. Encore un film que j'avais en DVD et que j'ai racheté en Blu-ray, Les Infiltrés, qui est mon film préféré de tous les temps. Habituellement, je dis toujours que The Dark Knight et Les Infiltrés sont ex-aequo. Là, j'ai revu The Dark Knight récemment. J'ai revu Les Infiltrés aussi. Je crois qu'en fait, c'est ça, mon film préféré. Et oui, je l'adore. Donc, je l'ai en DVD, mais mon DVD, je l'ai assez saigné. Je l'ai assez rentabilisé. Donc, Les Infiltrés, je suis très 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 content de le compter dans ma collection de Blu-ray. Nous avons aussi la duologie Kingsman, donc Kingsman Service Secret, Kingsman et Le Cercle d'Or, que j'aime aussi énormément, hein, des films de Matthew Vaughn. J'ai fait une vidéo sur Matthew Vaughn, lui dire à quel point je l'aime, donc voilà, ces deux films, il me les fallait en Blu-ray. Je les aime énormément, donc je suis très très content de les avoir. Et en restant dans la duologie, ça, de Andrés Muschietti, que j'aime énormément, même si le 2 est un peu long, je les ai revus récemment et ouais, je les kiffe, même s'il n'y avait pas besoin d'autant de flashbacks dans le 2, je les kiffe de ouf, donc il me les fallait. Les Dents de la Mer, que je préfère personnellement appeler Jaws. Voilà, le titre Les Dents de la Mer, je le trouve un peu claqué. Donc, excellent film de Steven Spielberg. Une belle histoire de cinéma concernant le tournage et la réception du film à la sortie. Donc voilà, celui-là, je le mate au moins une ou deux fois par an et je l'aime vraiment d'amour. Rocketman, excellent film de Dexter Fletcher, où Taron Egerton est vraiment bluffant dans la peau de Elton John. J'ai vraiment redécouvert les chansons de Elton John grâce à ce film. Donc voilà, moi j'adore. Voyez vraiment Rocketman, c'est un excellent film. Vous allez avoir envie de danser au bout de 10 minutes, max, vraiment. Pulp Fiction, excellent Tarantino, on présente pas, excellent film. La Guerre des Mondes, ah pour le coup, celui-là c'est un Spielberg un peu moins adulé que Jaws. Hein. Celui-là, il y a des gens, ils sont mi-fig, mi-raisin dessus. Au début, je l'aimais pas. Au début, vraiment, quand je l'ai vu à sa sortie, je l'aimais pas. Et je l'ai redécouvert grâce à la chaîne de Marty. Voilà, la chaîne de Marty, si vous connaissez pas, je vous mets un petit lien. Un excellent YouTuber qui a fait une vidéo pour dire à quel point ce film est grandiose selon lui. Du coup, ça m'a donné envie de le remater, et là, je me suis dit, ouais, effectivement, il y a un truc à faire, il y a vraiment quelque chose qui a été creusé dans ce film. Donc, je me le suis acheté, et j'adore. L'Armée des Morts, premier long métrage de Zack Snyder, que personnellement, moi, j'adore. Hein, c'est un petit huis clos dans un centre commercial, vraiment excellent. Si vous l'avez pas vu, bah, voyez-le, parce que c'est ce film qui, dans les années 2000, a remis à la mode les films de zombies. Avec Rec aussi. S'il a relancé un mouvement cinématographique de toute façon, c'est que forcément c'est un putain de film. Donc voyez-le si vous l'avez pas vu, L'Armée des Morts, j'adore. Et en plus, il est en director's cut. Les Affranchis, voilà, excellent film de Martin Scorsese que j'ai aussi en DVD. Et que j'ai en Blu-ray parce que Les Affranchis c'est la vie, voilà. Once Upon a Time in Hollywood, le dernier Tarantino en date. Vraiment excellent pour moi, vraiment. Alors que je l'ai montré récemment à un pote, je l'ai revu avec lui. Lui, il l'a découvert et il me disait, mais en fait, ça raconte rien ce film, ça raconte juste la vie d'un mec. Et oui, oui, c'est vrai, ce film-là ne raconte vraiment pas grand-chose, c'est juste la vie d'un mec. Mais c'est raconté tellement bien qu'il a beau ne pas lui arriver des trucs incroyables à ce personnage. Voilà, c'est juste un acteur qui est un peu en perte de vitesse et on voit comment il le vit, c'est tout. Mais pour moi, c'est ça te raconte tout un pan de l'histoire de Hollywood, vu par le point de vue de personnages qui, justement, se sentent un peu
un peu à l'écart de toute la transformation que vit Hollywood et dans laquelle ils sont inclus. Donc ouais, pour moi, il y a un beau message, il y a une belle vision d'Hollywood. Donc moi, j'adore, personnellement, je kiffe. Tarantino, j'ai l'impression qu'il a mis un peu ses tripes dans ce film. Donc j'adore. Django est meilleur, bien sûr, mais j'adore. Avengers Endgame, voilà, sans grande passion, hein, c'est juste parce que j'ai le 1, le 2, le 3, bon bah, je me prends le 4, et j'ai aussi Civil War, enfin voilà, certains que j'aime beaucoup. Bon, hein, voilà, c'est tout, on juge pas, il est pas ouf Endgame, on le sait tous, hein, les gars. Voilà. Doctor Sleep, pour le coup, celui-là, je l'assume beaucoup plus facilement, même s'il s'est un peu fait démonter par la critique. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment. Je l'ai revu plusieurs fois en Director's Cut, et j'adore vraiment chaque visionnage. Gravity, voilà, excellent film dans l'espace, hein, survival dans l'espace. Moi, je passe un putain de moment à chaque fois que je vois ce film. George Clooney est excellent. Alfonso Cuarón, il nous a sorti une réalisation vraiment qu'on avait jamais vue. Vraiment, c'est du jamais vu, Gravity. Donc moi, j'adore et je vous recommande de le voir. Et le dernier Blu-ray, et non des moindres, et j'ai fait exprès de le laisser en dernier, Jurassic Park en 4K. Alors voilà, moi je... C'est vrai que j'aurais peut-être préféré attendre une édition Steelbook pour Jurassic Park, mais je l'aime tellement. De toute façon, s'ils sortent une édition Steelbook, je l'achèterai quand même, et à la rigueur, je revendrai celui-là, mais... Waouh, Jurassic Park, voilà, on présente plus. J'en ai d'ailleurs fait une petite pastille récemment chez Mister Cult, je vous mets un petit lien. Celui-là, je le regarde au moins 3 ou 4 fois par an, hein. Vraiment, je suis un psychopathe avec ce film. Mais je l'adore, que voulez-vous ? Voilà, on a fait le tour des Blu-ray que je me suis acheté depuis 2020, et peut-être que en 2024-2025, bah, je ferai une vidéo où je vous présente les Blu-ray que je me serais acheté d'ici là. On sait pas, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner. Prenez soin de vous, à très bientôt. Salut !